ici justement un emplacement un peu stratégique de la ville. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est à l'exact opposé symétrique par rapport au château des Ducs, hein, ici sur la tour de l'angle sud-ouest de la fortification. C'est une partie de la ville outre-Erdre, si on peut dire, de l'autre côté de l'Erdre, sur la rive droite, qui a été englobée dans les fortifications qu'au XIIIe siècle, et qui donc a été rattachée à la ville seulement à cette époque-là. Et c'est donc exactement ce qu'on a sous nos yeux ici. C'est donc ce qu'on appelle, ce que les archéologues appellent une courtine, c'est-à-dire un segment de rempart, de rempart de la ville entre deux tours. Et vous avez la maçonnerie ici qui est en écharpé, si on peut dire, en écorché. C'est donc le départ de cette tour, hein, qui formait une surface circulaire ici. L'importance de la fouille, c'était déjà de déterminer en premier lieu le tracé de cette courtine et de cette tour. Et puis essayer d'apporter justement des éléments de compréhension, de datation. Donc une courtine, une muraille et tout au bout une tour d'angle circulaire, donc qui tournait, qui allait bien plus loin vers le chantier, et une autre courtine repartait à angle droit. Et en fait, c'était tout un front de muraille qui suivait, qui longeait le long de la Loire jusqu'au château des Ducs actuel. On en connaît de nombreux tronçons à travers la ville, hein, mais sur ce front ici à l'angle sud-ouest, on en connaissait assez peu d'éléments, en dehors de ce qui est visible au niveau de la place Fournier, là-bas, devant l'église, de l'église Saint-Nicolas, où là, il y a des éléments de fortification qui ont été trouvés en fouille lors de la réfection de la place. Et puis, également un élément qui est visible encore dans le paysage aujourd'hui, sur le front nord de la place.